Rencontre demain lundi entre le gouvernement et le bon syndical des professeurs pour parachever le protocole du 14 février. Les travaux en commission paritaire vont se poursuivre à Bibois dans la commune de Lincellé. Célébration de la journée internationale du théâtre. Il s'agit d'un événement annuel pour la promotion des arts de la scène en vue de rappeler au monde l'importance du potentiel théâtral. Mondial Qatar 2022, les Léopards de la RDC sont arrivés au Maroc dans la nuit de samedi à dimanche. L'équipe nationale de la RDC va effectuer deux séances d'entraînement à Casablanca avant la conférence de presse d'avant-match prévue ce lundi. Le journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a modifié l'ordonnance sur l'état de siège et réduit les compétences pénales accordées aux juridictions militaires, alors que la version initiale accordait toutes les compétences en matière pénale des juridictions civiles aux juridictions militaires. Le nouvel article 6 n'accorde les compétences répressives aux juridictions militaires que pour certaines infractions qu'il énumère. Le gouvernement, à travers la ministre d'État de la Justice, avait justifié cette modification par l'insuffisance des magistrats militaires dans les provinces sous état de siège, causant ainsi plusieurs préjudices à la population et des dysfonctionnements de l'appareil judiciaire. Du 25 au 26 mars, les femmes entrepreneurs d'ici et d'ailleurs se sont retrouvées à Rotana Hotel Kinshasa pour parler opportunités dans la transition écologique sur initiative de la Fondation Neima avec l'accompagnement du mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique que dirige Mami Moujani Freebox qui a mis à profit ses assises pour lancer le projet Moissi Bopeto. Crispin Chibikoufa. La quatrième édition du forum annuel des femmes entrepreneurs organisé par la structure Une femme, une idée, un projet de la Fondation Neema avec l'accompagnement et l'appui financier du mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, MIFDA, sous le thème Femmes entrepreneurs et les opportunités dans la transition écologique, s'est clôturé ce samedi 26 février 2022 par une soirée de gala à l'hôtel Rotana. Un projet conçu pour honorer et célébrer l'excellence, femmes entrepreneurs, patriotes, porteuses de solutions et sur qui les pays peuvent compter. Au cours de cette soirée de gala, le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, via sa présidente Mami Moujani Freebox, a lancé le projet dénommé Moissi Bopeto en présence du gouverneur de la ville province de Kinshasa, Jean-Tenin Ngobila. Le projet consiste à sensibiliser la population kinoise sur la gestion des déchets et la récolte des plastiques, véritable danger pour l'environnement. Ce projet sera exécuté par des structures qui œuvrent dans le recyclage des déchets plastiques sous la supervision de la Fondation Neema avec l'accompagnement financier du Mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique. MIFDA a aussi honoré les différents intervenants de cette quatrième édition du Forum des femmes entrepreneurs avec des diplômes de mérite. Moissi Ampiko, c'est notamment Simone et Yvette Gbagbo de la Côte d'Ivoire, Francine Moyumba de la RDC, Jackie Apia du Ghana, Gisèle Boussima de la RDC, Caroline Da Silva de la Côte d'Ivoire, Al Kitenge et tant d'autres. Le prochain forum des femmes entrepreneurs se tiendra l'année prochaine en Côte d'Ivoire. C'est un meeting organisé par Christian Kitungwa Kalemi pour clôturer le mois de mars en beauté. Ce cadre du Parti Avenir du Congo, membre de l'Union Sacrée, a félicité la femme du Tanganyika dans son combat pour la paix, socle de tout développement. Une véritable marée humaine au stade Saint-Doy pour escorter Christian Kitungwa jusqu'au lieu de la manifestation. Sous un beau soleil, aux abords du lac Tanganyika, ses fils des Kalemi, Christian Kitungwa clôture le mois de la femme avec ses sœurs. Cadre de l'Union sacrée de la nation et de l'avenir du Congo de l'ambassadeur Dani Banza, Christian Kitungwa reçoit symboliquement un poisson et des pigeons, synonyme de la paix, pilier du développement de la province. Du haut du podium, ces natifs des Kalemi saluent la bravoure de la femme des Tanganyika et l'appellent à se battre davantage pour son autonomisation. Une occasion pour lui d'appeler ses frères à œuvrer pour le développement de leur province selon la vision du chef de l'État. Nous devons développer notre province. Nous ne voulons pas de bruit venant de toutes parts. Est-ce que nous nous comprenons? Notre province aspire à une paix durable avec le président de la République que nous soutenons.
C'est sous une ambiance festive qui s'y clôture ces grands meetings populaires. En politique, élection des gouverneurs, la sénatrice Nefertiti Ngudianza s'aligne en ordre de bataille. Elle a déposé sa candidature comme gouverneur au bureau de réception et des traitements des candidatures du Congo central à Matadi. Cette parlementaire affirme vouloir rassembler les habitants de cette province, mais aussi les institutions plombées par les différentes divisions. Une candidate de plus et non de moindre dans la course vers le gouvernorat de la province du Congo central. Elle s'appelle Nefertiti Ngudianza et a ambition d'occuper ce poste vacant. Sénatrice et ancienne ministre du commerce extérieur, Madame Ngudianza a reçu le quitus de ses pairs et a été plébiscitée au cours des primaires avec 31 voix. Elle fait partie du ticket gagnant. Elle a la maîtrise de la province pour avoir fait l'itinérance de Kasangulu à Mwanda en passant par Luozi, Kisantu et Mbanzangungu. Elle dévoile ses intentions. Nous savons tous que le droit électoral est vraiment donné à tout le monde. Donc les ambitions politiques personnelles sont gérées par chacun selon son bon vouloir. Notre province a connu ce qu'elle a connu et nous sommes pratiquement à la croisée des chemins. Et en tant que femme, je me suis dit que j'ai quelque chose à apporter pour notre province. Il nous reste pratiquement 2 ans dans ce mandat et nous n'avons pas le droit à l'erreur. Et je pense que, avec tout ce que la province a connu, notre province a besoin d'un visage qui sera, plus protecteur et qui rassurera la population et qui sera enclin à pouvoir travailler pour le bien de plusieurs. Plusieurs associations féminines militent en faveur de sa candidature. Elles pensent que Nefertiti Ngudianza répond au profil demandé. C'est moi Makasi papa. Moi aussi Aza Bafoué Namboko. Tous ont soutenu candidature à moi aussi. Surtout à maman une femme ressource à la moutou. Dernière femme à diriger la province du Congo central, c'est Madame Catherine Nzuziwa Mbombo, vers les années 80, et a laissé de très bonnes impressions. Et au Nord Kivu, l'ASBL Birere sans frontières a remis dimanche à Ngengi dans le territoire de Nyiragongo une importante quantité de vivres et non-vivres aux orphelins du centre d'Ambosco. C'est le président international de cette structure, Rémi Rouzingue, qui a présidé la cérémonie. Au même moment, le nouveau siège de cette ASBL a été inauguré. Créée depuis le mois de septembre 2019, l'ASBL Birere sans frontières s'est rendue dans les territoires de Nyiragongo, précisément au centre d'Ombosko Ngangi. Ici, cette structure a amené une importante quantité de vivres et non-vivres constitués de riz, sel, farine de maïs, huile de palme, habits, pour ne citer que cela, pour les enfants orphelins encadrés dans ce centre. Rémi Rouzingue, coordonnateur international de BSF, a souligné que c'est dans le cadre de leurs objectifs que ce geste est posé. Nous, BSF, comme on l'a eu à le dire plusieurs fois, notre association c'est pour l'amour, l'entraide et l'unité. C'est dans ce cadre-là que nous sommes là pour apporter notre amour et notre assistance à ces êtres de Dieu, ces êtres bénis. L'une des responsables de ce centre d'Ombosko Ngangi, qui a réceptionné cette assistance, a remercié BSF pour cette action. Pour votre geste, nous disons sincèrement un grand merci. Un grand merci vraiment. Que Dieu lui-même vous rende. Peu avant, le coordonnateur international de BSF a coupé les rubans symboliques pour ainsi inaugurer le nouveau siège de cette ASBL. Nous avons plus d'une année d'existence, à peu près 2 ans, et on travaillait sans un bureau fixe. Et aujourd'hui, nous avons inauguré nos bureaux, et ici à Goma. Et comme on a eu à le dire, nous avons 17 représentations à travers le monde, et partout là-bas, les gens travaillent, mais notre bureau central vient d'être installé aujourd'hui à Goma. Rappelons que Birere sans frontières est une ASBL regroupant tous les fils et filles nés et grandis dans le quartier Mapendo, communément appelé Birere en plein centre-ville de Goma, et qui sont éparpillés partout dans le monde.
Au Nord Kivu, toujours, les députés nationaux Patrick Mounyomon et Hubert Fourougouta ont inspecté à Goma différents ouvrages réalisés par l'Office de voirie et drainage. C'est entre autres la route Kilijiwe, dont les travaux sont financés par l'Union européenne suite au plaidoyer de ces deux parlementaires. C'est dans le souci de faire le suivi de certains projets de développement exécutés à Goma suite à leur plaidoyer que les députés nationaux Patrick Mounyomo et Hubert Fourougouta se sont rendus d'abord au bureau de l'Office des voiries et drainage pour échanger avec les responsables de cette direction provinciale. Ensuite, ces deux parlementaires se sont dirigés sur la route Kilijiwe pour se rendre compte de l'évolution des travaux de modernisation de cette route financée par l'Union européenne. Longue de 3,8 km, 1,3 km est déjà asphalté, ce qui réjouit Patrick Mounyomo. La route Kilijiwe, c'est la route de la population. Et Dieu aidant, le chef de l'État lui-même s'est impliqué parce qu'il nous avait dit ici à Goma avec mon collègue Hubert que nous puissions faire notre travail. Là où nous serons bloqués, que nous puissions l'informer. Nous devons dire à la population que cette route, ce n'est pas notre route. C'est la route des populations. Il faut s'y veiller à ne pas la faire une poubelle, tout ça. Non. D'autres ouvrages réalisés toujours par l'OVD ont été aussi visités. C'est surtout les routes fissurées pendant les tremblements de terre lors de la récente éruption du volcan Nyiragongo et les dissipateurs pour canaliser les eaux vers les lacs. Sur place, le constat est que l'Office des voiries et drainage réalise des travaux de qualité. Nous pouvons commencer par vous dire que nous sommes fiers et satisfaits de la qualité des prestations de l'OVD qui est une entreprise publique par rapport aux attentes de la population du Nord Kivu de Goma et par rapport à l'instruction du président de la République en passant par le Premier ministre sur la signature du ministre des Travaux et des Infrastructures. Nous sommes venus voir et encourager l'OVD à bien faire son travail et à plaider auprès des autorités à pouvoir amener des moyens à l'OVD. Hubert Fourougouta et Patrick Mounyomo, tous deux députés nationaux élus de Goma. Elle est célébrée le 27 mars de chaque année. La Journée mondiale du théâtre a pour objectif, entre autres, d'encourager les échanges internationaux dans le domaine de la connaissance et de la pratique des arts de la scène. En République démocratique du Congo, le théâtre peine à être formalisé, pourtant un grand vecteur de la culture congolaise. C'est dans ce cadre que plusieurs manifestations sont organisées ce dimanche à Kinshasa. Théâtre et culture de la paix, c'est le thème retenu cette année pour la commémoration de la dite journée. Et pour terminer, Mondial Qatar 2022, les léopards de la RDC sont arrivés au Maroc dans la nuit de samedi à dimanche. L'équipe nationale de la RDC va effectuer deux séances d'entraînement à Casablanca avant la conférence de presse d'avant-match prévue ce lundi. Malgré le match nul d'un but partout à Kinshasa vendredi dernier, le groupe de Hector Huppert continue à croire en la qualification mardi 20h30. Ils seront reçus par les Lions d'Atlas du Maroc pour le compte du match retour des barrages mondiales. Place au rappel des principaux titres. Rencontre ce lundi entre le gouvernement et le bon syndical des professeurs pour parachever le protocole du 14 février. Les travaux en commission paritaire vont se poursuivre à Bibois dans la commune de Lancelle. Célébration de la Journée internationale du théâtre, il s'agit d'un événement annuel pour la promotion des arts de la scène en vue de rappeler au monde l'importance du potentiel du théâtre. Mondial Qatar 2022, les léopards de la RDC sont arrivés au Maroc dans la nuit du samedi à ce dimanche. L'équipe nationale de la RDC va effectuer deux séances d'entraînement à Casablanca avant la conférence de presse d'avant-match prévue ce lundi. Merci à tous de votre fidélité et sur Télé 50, l'actualité est en continu. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.